Born in May 21, 1471, and deceased on April 6, 1528, in Nuremberg, Germany, he studied under his father, a Hungarian goldsmith, emigrated to Germany, and started painting in 1486. He became an apprentice to painter Michael Wolgemut, with whom he started his work into wood and copper. Dürer took inspiration in the work of painters from the two biggest artistic centers in Europe, Italy and the Netherlands, while also being more innovative. From 1940, Dürer traveled a lot to study, mainly around Italy and Antwerp. His traveling allowed him to fuse both North Goth traditions with Italian perspective. Here is where the interest into math begins. Dürer's art shows the influence of math theories, such as the proportion one. The artist expresses proportion theories in the book The Four Books of Human Proportions, published in 1528. But it was not only this theory that he had an impact in his artistic work, but also the mastery acquired perspective through the studying of geometry. Nació el 21 de mayo de 1471 y murió el 6 de abril de 1528 en Nuremberg, Alemania. Estudió con su padre, un orfebre húngaro que emigró a la Alemania, y en 1486 comenzó a pintar. Se convirtió en el aprendiz del pintor Michael Wolgemut, con quien comenzó sus trabajos de grabado en madera y cobre. Dürer se inspiró en las obras de pintores de los grandes centros artísticos europeos, Italia y los Países Bajos, pero fue mucho más innovador. A partir de 1940, Dürer viajó mucho para estudiar, incluyendo Italia y Anvers. Sus viajes le permitieron fusionar las tradiciones góticas del norte con el uso de la perspectiva italiana. Su interés en la matemática comienza aquí. El arte de Dürer muestra la influencia de las teorías matemáticas como la proporción. El artista expresó sus teorías de la proporción en el libro Los cuatro libros sobre proporciones humanas, publicado en 1528. Sin embargo, no fue solo la teoría de la proporción lo que influenció en sus obras artísticas, sino también su dominio de la perspectiva obtenida a través del estudio de geometría. Il est né le 21 mai 1471. Il est mort le 6 avril 1528 à Nuremberg, en Allemagne. Il était un graveur, peintre, mathématicien et un théoricien de l'art. Il étudiait avec son père, qui était un frère hongrois qui a immigré en Allemagne. Il a commencé à peindre en 1486. Il était devenu un parenti du peintre Michael Wolgemut. Avec ce peintre, il a fait ses premiers travaux comme graveur. Dürer s'est inspiré dans les travaux des peintres des grands centres artistiques comme Italie et Hollande, mais avec un esprit innovateur. À partir de 1940, Dürer a beaucoup voyagé afin d'étudier. Il a été dans l'Italie et en Belgique. Ses voyages ont été très importants et avec ses apprentissages, il a été capable de fondre les traditions gothiques du Nord avec l'utilisation de la perspective des Italiens. Et de cette façon, commence son intérêt pour les mathématiques. Il s'est intéressé principalement pour la théorie des proportions humaines, ainsi comme pour la perspective de la géométrie en tant que l'élément structurel de l'œuvre d'art. Il est mort le 6 avril 1528.